Oh là 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 là. Waouh. Ah ouais, waouh. Ah ouais, très belle. Ah oui. Attention, il y a monsieur Jean-Pierre Brossetta, donc qui est le patron des jardiniers de France, qui va vous donner le résultat. Bon, mesdames et messieurs, eh bien, le résultat d'abord pour les enfants nous ont vraiment fait de jolies silhouettes et nous a, le jury a décidé de les mettre tous les trois ex aequo. On s'applaudit. Quant aux adultes qui nous ont présenté d'excellentes brouettes, avec la diversité de fleurs qu'il y avait, eh bien, c'est pareil, le jury a été indécis, ne savait pas trop eh bien, la mère de Denis ou pas, eh bien, tout le monde. Tous les trois sont absolument des ex-aequo aussi. Parfait. Voilà. Et donc, on demande notamment aux adultes qui ont présenté les trois brouettes de cette année de les représenter l'année prochaine. Voilà. Eh bien, merci, mesdames et messieurs. Oui, alors on va leur remettre les prix aux adultes et aux enfants. Si vous voulez, les adultes et les enfants qui avaient participé, si vous voulez nous rejoindre au micro, eh bien on va vous remettre les prix. Alors, on avait les villages du Pré, de la Noé-Morgan, de la Marionnais. Chez les enfants, on avait Bernaguette, on avait la Noé-Morgan, le Pré, et il me manque Mathilde. Félicitations à tout le monde, et évidemment, on compte sur vous pour l'année prochaine. Un peu plus nombreux. Si on pouvait en avoir autant que l'année dernière, on serait ravis. Donc Mathilde représentait le village des Rosets. Ah oui, vas-y. Normalement, on fait l'assistance immobilière, on les a perdus. Alors, je fais quoi? Il dit si tu vois un écureuil là-haut, il y en a un qui traîne depuis ce matin. Donc là, il dit ça. Comment il fait ça? La même chose. On voit la différence. Ok, vous pouvez tirer encore les gars. C'est bon? Hé, hey, jeune homme. Donc, Jean, tu veux demander la corde, il y a celle-là. Oui, voilà. Premier guerrier dans le siège, on se voit Emma. Premier guerrier dans le siège. Si tu parles, peux-tu faire du temps? Elle est bleue ou pas? Bah non, regarde.
Là, les photos, pas les snaps, parce que moi je les vois pas. Là, elle trace, hein, regarde. Elle est plus haute que celle de Jean-Pierre. C'est vraiment pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Non, mais les insectes du jardin, tout ça. Voilà, on a récupéré tout ça. Encore.